Ceci est un message du gouvernement, restez chez vous. Des gens se transforment et nous n'arrivons pas à les arrêter. Les services de police ainsi que les services d'urgence sont actuellement indisponibles. Si vous rencontrez des personnes infectées dites zombies, courez et ne vous approchez pas. Ne provoquez pas les zombies, nous sommes en situation d'urgence. Nous sommes l'union, nous sommes la force, ensemble nous vaincrons. Ok les gars, putain qu'est-ce qui se passe dans cette ville, je voulais aller voir mon pote Alex et Nino et ils me répondent pas, personne me répond au téléphone. Ok. Oh putain c'est qui ça? Y'a des gens bizarres dehors, je sors pas moi. Oh my god, y'a des gens bizarres dehors. Il s'approche de moi. C'est le 2 Céline et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ma foi, magnifique, ma foi, exceptionnelle. Car oui, comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui, nous incarnons le rôle d'un enfant. Voilà, ce n'est pas la suite des épisodes, encore une fois, c'est vraiment un épisode hors série. Et aujourd'hui, tout simplement, un enfant va devoir survivre à une horde de zombies. Il va devoir survivre, tout simplement, il va survivre. Et vous allez voir qu'on a pas mal de choses à faire. On a pas mal de trucs à choper. On n'a rien sur nous. Je suis un enfant seul face à plein de zombies. Mes parents me répondent plus, mes potes me répondent plus, plus personne me répond. Et je dois survivre ici, seul, dans cette ville. J'espère que vous êtes chaud. À 10 000 likes, je fais un épisode spécial, encore une fois, avec un enfant. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si vous kiffez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'attends. Vous activez la cloche, vous abonnez. J'attends. Et ensuite, ok, c'est bon? Vous avez fait ça pour l'enfant? Ok, on y va. Du coup, les gars, encore une fois, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je prends ma caméra. Hop, hop, hop. On va y aller. C'est parti. Les enfants, on nous attend. Oh putain, les gars, j'ai réussi à sortir de chez moi. Putain, les gars. Oh my god, what is this shit? C'est quoi les gars ça? Oh putain, heureusement que j'ai mon BMX les gars. Mais à votre avis, s'ils me touchent, est-ce qu'ils peuvent m'infecter? Oh là là, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac les gars. Je vais regarder ce que j'ai dans mon sac. Pour l'instant, on a notre sac ici. On a pas mal de trucs, on a des bandages, feu de camp, on a pas mal de trucs, de l'eau, etc. Des portes, une lampe torche, on a pas mal de trucs. Bon, je vous traduis, couteau, molotov, etc., etc. Et avec tous ces trucs, on va devoir faire des choses. On a une tente aussi, on a une tente que je peux utiliser. Qu'est-ce que là? Pour l'instant, on stock, j'ai qu'une tente. Ok, j'ai une tente et un feu de camp, ok. Et du coup, je dois récupérer plein de trucs pour pouvoir, tout simplement... survivre face à ces zombies les gars. Ok les gars, j'ai réussi à traverser la ville. Oh putain de merde, je voulais aller à la supérette mais il y a trop de monde devant. Vite. Ok. Ok c'est parti, allez vite, on prend tout. Allez, on prend tout. Allez putain, vite, il y a de la bouffe partout là. Ok vite, putain ils arrivent. Ils arrivent les gars, ils arrivent. Ok, ils rentrent ou pas? Oh putain ils sont en train de rentrer. Oh la vache. Maman, j'ai peur les gars. Ils sont là. Mais comment je vais sortir? Yay. Vite. Non les gars. Aïe. Ok. Ok, j'ai réussi à remplir, j'ai fait le stock. Les gars, je vais regarder ce que j'ai dans mon inventaire. Oh là là, regardez tous les zombies. Oh my god. Mais les gars, vous imaginez, je suis seul. Il n'y a personne pour m'aider, même pas la police. Ok. J'ai... pas mal de trucs là, j'ai récupéré quoi les gars? J'ai récupéré de la bouffe. Alors attendez, je vais regarder mon inventaire, ok. Package food, c'est bon, j'ai de la bouffe, je peux manger au cas où j'ai faim. D'ailleurs je vais manger je pense. Je vais descendre, je vais manger. Je vais manger un truc, voilà, hop. Package food, hop, voilà, j'ai mangé. Hop, ok, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai pas d'armes. Est-ce que la l'émulation est ouverte pour que je puisse acheter des armes? Et non, l'émulation est fermée. Le patron a fermé l'émulation. Et ça, ça craint pour nous les gars. Ça craint pour nous. Alors, le problème, c'est que moi j'ai entendu des sources comme quoi les armes, il fallait les trouver à des endroits cachés, les gars. Ouah, les gars, mais regardez-moi ça, même les ambulances sont off. Même les ambulances sont off, les gars. Même les ambulances. Oh. Alors, attendez, est-ce que je peux prendre une voiture, les gars? Est-ce que je peux voler une voiture? Ok, je vais essayer de rentrer. Mais putain, mais il y a les gens. Non? Le moteur démarre?
T'es marre? Vite! Non! Le moteur ne veut pas démarrer, les gars, le moteur il veut pas démarrer! Ah, you need, attendez, ça m'a dit. You need to repair un kit for. Ok. Il me faut un véhicule car. Oh là 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 là. Il me faut un kit de réparation, les gars, en gros. En gros, il me faut un kit de réparation et je peux prendre n'importe quel véhicule. Sauf que là, tous les véhicules sont off. J'ai raté cela. Ah, j'entends la police. J'entends la police ou je rêve? Non, c'est qui? Oh la vache. Mais il m'a. Regardez-moi tout ce monde, les gars. C'est quoi de ça? Ok. Je vais aller au souterrain. Je pense qu'au souterrain, il doit y avoir des gens qui se réfugient. Ou je sais pas ce qu'il doit avoir, mais il y a moyen d'avoir des trucs au souterrain, les gars. Ok, les gars, je suis actuellement dans le souterrain, les gars. Le souterrain, qu'est-ce que c'est un souterrain? Un souterrain, forcément, il y a des gens qui se réfugient, il y a des gens qui ont laissé des trucs. C'est forcément qu'il y a un truc dans ce souterrain, les gars. Et moi, je suis un enfant, mais le problème, c'est que j'ai jamais tiré avec une arme. Ok. Il doit bien avoir quelque chose ici, c'est sûr et certain. Je vous garantis qu'il y a quelque chose. Ok, normalement, il m'a dit c'est tout au fond, en bas. Ok. Ok, oh oui, magnifique. Magnifique. Ok. On a un gilet et un fusil à pompe, ça c'est magnifique. On va pouvoir tuer du zombie, les gars. Est-ce qu'ils viennent vers moi, les gars? Est-ce qu'ils viennent vers moi, les gars? Ils viennent vers moi ou pas? Je crois qu'ils viennent vers moi. Oh putain, j'ai jamais tiré, mais j'ai jamais tiré, j'ai jamais tiré. Ok, c'est bon, il y a un viseur laser. Non, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ils ont fait tomber des trucs. Ok, c'est bon. Il a quoi, il a quoi? Trois ressources. Ok, il a des trucs. Lui, il a des trucs. Une ressource. Allez, 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 allez. Elle. Non. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Oh my god, il s'approche. Toi. Donne-moi ce que t'as. Oh, je l'ai shooté à mort, elle. Ok, trois ressources. Ok, on a pas mal de trucs. Il me reste trois balles. Je pense que je vais garder mes balles, les gars. Je vais garder mes balles. Je vais aller voir ce que j'ai. Je vais reprendre mon BMX. Je vais aller voir ce que j'ai. Parce que là, les gars, ça a l'air tendu. Ça a l'air tendu. Et je vais essayer de me mettre en hauteur. Parce que là, on pourra pas survivre. On pourra pas survivre en. Comment dire? Sur le sol. Parce que forcément, sur le sol, ils vont sentir notre odeur et tout. Et ça, ça va être compliqué. Donc, à mon avis, on va aller en haut. Je vais laisser mon BMX ici, je pense. Ok, ici, je pense qu'on est pas mal. Les zombies, ça monte pas les escaliers normalement. Ouais. À part s'il y a des gars de chantier qui se sont fait contaminer, c'est chaud. Non, c'est bon. Il n'y a personne. Ok, bon bah je vais utiliser mon tente, voilà, tente. Ok, ma tente elle est là, je vais la placer là. Voilà, ma tente c'est bon. Forcément j'ai commencé à avoir froid. Hop, je vais utiliser mon feu de camp. Voilà. Bon, on va essayer de dormir dans la tente, mais bon je sens que il y a des zombies autour de moi, je sais pas pourquoi. Mais j'ai peur, ok, je vais essayer de dormir. Non, presser R2, bah oui. Oh my god, il y a des ennemis trop proches. Oh my god, je peux pas dormir des ennemis trop proches. Ok, bon bah bon, on peut pas camper ici les gars, on peut pas dormir. On peut camper, bon, les zombies ne viennent pas à nous. Mais malheureusement, on ne peut pas dormir. Et ça, je ne peux pas dormir, un petit pauvre enfant. Oh là là, ils arrivent. Bon, allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon bah, faut que j'aille quelque part d'autre, il y a trop d'ennemis proches. Il a pas l'air d'avoir d'ennemis. Je vais essayer de mettre ma tente ici. Allez, s'il vous plaît. Hop. Allez, s'il te plaît. Non, mais il y a trop d'ennemis. Je peux pas dormir. Ils veulent pas me laisser dormir. Bon, bah, je vais devoir me reposer hors dans la tente. Ah bon, je vais dormir où? Je vais dormir dans ce tuyau. Je pense que je rentre dedans. Ouais, je pense. Ouais, je vais me réfugier là-dedans. Bon, les gars, je vais dormir dedans. Je pense, parce que là je peux pas camper. Bon, les gens ne peuvent pas venir, mais je vais dormir et on se dit à demain. Waouh, les gars, j'ai le dos cassé, j'ai pas réussi à dormir. Cette nuit c'était compliqué, mais au moins ça va, j'ai bien dormi, je me suis reposé. Faut que j'aille faire le stock, il fait jour. On va en profiter pendant qu'il fasse jour, on a une bonne visibilité parce qu'hier. On avait une bonne visibilité, mais c'était assez compliqué. Il faut absolument que je prenne des ressources. Ah, oh là là, il y a un zombie qui est en train de monter. Il y a des zombies qui sont en train de monter, les gars. Ok. Heureusement que je suis resté dans le tuyau. Ils m'ont pas senti dans le tuyau. Ils m'ont pas senti. Mais là, je suis sorti du tuyau. Ça y est, il y a tout le monde qui est en train de monter. Regardez. Il faut que j'aille. Il faut absolument que j'aille, les gars. Il y a des zombies partout. C'est abusé.
Bon, on a réussi à avoir une arme, on a 3 pistolets, il faut que je prenne de la bouffe. Ok, je pense que je vais retourner à me prendre à bouffer parce que là j'ai plus rien à manger, les gars. Je vais aller me prendre à bouffer en espérant qu'il y a des stocks, que personne n'a dérobé avant. Bon, il n'y a pas de zombies donc on peut fouiller tranquille. Ok, c'est bon. Allez, allez. Prends à manger, les gars, on se prend à manger. Ok, c'est chaud, c'est pas mal. Derrière, il n'y a rien. On commence à avoir pas mal de trucs à graille. On est bien. On a à manger, les gars. Et surtout, il faut que je trouve un autre gun, je pense. Pour pouvoir, je sais pas, réparer la voiture, par exemple. Parce que toutes les voitures sont complètement off. À part mon BMX, je sais pas si. Si à la plage, les véhicules sont peut-être pas morts, les gars. À la plage. On va aller voir à la plage. Ok les gars, c'est bon, on est à la plage actuellement. Comme vous pouvez le voir, bah, les zombies ça change pas, ils sont toujours là. Et vous savez qu'à la plage, il y a le quad de la garde, tout simplement des gardes-côtes. Donc normalement, j'espère qu'il y a. Oh oui, il y est le quad. Maintenant, le problème c'est est-ce que je vais pouvoir l'allumer? C'est ça la question. Oh. Oh oui, il démarre! Ok! Notre premier véhicule à moteur, les gars, maximum de pouces bleus pour ce magnifique véhicule à moteur, c'est magnifique! Oh oui! J'ai un quad, un enfant, avec un quad tranquillement. Je vais pouvoir aller chercher des véhicules et des choses un peu plus rapidement. Alors, je pense que pour trouver, les gars, un gun, il faut aller dans des endroits un peu typiques de la ville. Je pense un peu des endroits connus, là où on peut trouver des armes. J'ai pensé à un petit endroit, les gars, c'est ici. Je pense qu'il doit avoir des guns ici. Il y a moyen d'avoir des trucs ici. C'est le truc désinfecté. On va y aller. Je pense qu'ici doit avoir quelque chose, les gars. Je vais descendre. Je vais laisser mon quad. Là, 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 là. Ok, pistolet. Pistolet, il n'y a rien d'autre. Ok, j'ai un pistolet. J'ai encore 3 balles de fusil à pompe. Je vais utiliser mon pistolet, je pense. Pistolet. Mais faut pas que je me loupe en fait, c'est ça le problème. Le problème c'est qu'il se déplace assez. En fait voilà, il se déplace un peu à la nappe. Ok, lui il est mort. Lui il est mort. Lui il est mort. Lui il est mort. Oh là là! Eh? What? Il m'a confondu avec un zombie ou quoi lui? 6 balles, il me reste 6 balles. Personne derrière moi, si, il y en a un derrière moi. Lui je vais le laisser en vie. Oh putain, j'ai raté une balle. Allez, c'est parti. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas dans le quad? Quelqu'un derrière moi, il s'approche. Faut que je loot. Il faut que je loot. Ok, plus cette ressource. 10. Toi. Tu vas me laisser tranquille, voilà. Je vais prendre tes ressources au passage. Ok. Il y avait un truc. Non, 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 je vais les écraser, je vais essayer de les écraser. Je sais pas si c'est possible d'écraser des zombies. Logiquement, si on est dans Walking Dead, les zombies, c'est compliqué à écraser. On va essayer. Non, 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 je vais me coincer. Oh, je vais me coincer, les gars. Il peut pas mourir. Oh là là, elle se relève. Oh, elle se relève. Il se relève. Ils se relèvent tous. Oh là là, ils me suivent tous. Comment je vais faire pour survivre ici? Sachant que j'ai pas pris toutes mes ressources. Allez, s'il vous plaît. Voilà, toi, tu me laisses tranquille au bout d'un moment. Va falloir que je les bloque, je pense. Je vais essayer de les bloquer, je sais pas comment je vais faire. Je vais les ramener vers là. Bon, le problème, c'est qui me perturbe, c'est la meuf là-bas. Est-ce que je vais réussir à avoir assez de temps pour looter? Oui. C'est bon. C'est bon. Elle me touche pas, faut pas que tu me touches, tu me touches pas, voilà, me touche pas. C'était limite, c'était tendu. C'était tendu, mais on a réussi. On est bien, je vais aller faire le point sur mon inventaire. J'ai plus de munitions actuellement. J'ai pas de pistolet, j'ai rien, j'ai plus rien. J'ai des pistolets, mais j'ai pas de munitions. Donc, on va essayer de se mettre en hauteur. Alors, où est-ce que je peux mettre en hauteur? Je vais aller en bas. Alors, ok, ressources, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de trucs. On a weapon part, c'est quoi ça? Juste. To create weapon component and weapon. Ok. On a réussi à avoir pas mal de trucs, les gars. Regardez, on a du plastique, on a pas mal de trucs. Le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce que je peux créer? Un molotov, les gars. Je peux faire une lampe torche. Je vais faire une lampe torche, tiens.
Normalement, j'ai une lampe torche. Ah non, merde, faut que je la crafte, oui, forcément. Je peux faire une lampe torche. Je vais faire une lampe torche. Hop, c'est parti. Hop, et. J'ai une lampe. Wouhou! J'ai une lampe. Magnifique, j'ai réussi à faire ma première lampe, les gars. J'ai fait ma première lampe. Un maximum de pouces pour ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on a de débloqué avec les ressources qu'on a pu avoir sur les zombies? On peut avoir un cocktail Molotov, mais est-ce que ça brûle les zombies? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. On a des bandages pour si jamais on se fait attaquer par un zombie. Pour l'instant, on en a pas. On s'est pas trop fait attaquer par les zombies. On a une porte. Ouais, on a ça pour faire à manger. Ouais, c'est pas mal. On a pas mal de trucs, les gars. On a pas mal de trucs. On n'a pas de couteau. Pour faire un couteau, il faut quoi? Non, on n'a pas de couteau. Ok, on a notre premier truc. On va essayer d'aller camper, je pense. Ensuite, on va essayer d'aller camper. Donc ça, c'est bon. Je peux faire un campfire. J'ai des bandages. Je vais prendre un bandage au cas où. Non, je vais pas prendre de bandage. Qu'est-ce qui me servirait? Ouh là 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 là! Yo, papa, 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 papa. Je remonte dans ma voiture. J'ai failli me faire attaquer, les gars. C'était tendu. Bon, je peux pas rester tranquille en fait ici. Je vais créer un cocktail. Molotov. Voilà, j'en ai un. Ah, c'est bon. Oh si, j'ai un cocktail. Oh oui, ça c'est pas mal. Ouais, 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 c'est pas mal. Je vais essayer de brûler des zombies, les gars. Alors, il me faut un groupe de zombies. Il me faut un groupe de zombies. Je vais essayer d'aller en ville ou je sais pas, pour avoir un groupe de zombies. Ok, les gars, j'ai réussi à avoir pas mal de zombies. On va essayer de faire un gros tas. On va essayer de faire un gros tas pour pouvoir les brûler. Et une fois qu'on aura brûlé, on ira essayer de faire notre camp. On a des tentes. On a une tente. Il faut absolument qu'on dorme. Le tas est pas mal. Le tas est pas mal. Je vais les brûler. Allez. Oh shit. Oh shit. Ils sont tous morts. Par contre, ta voiture va exploser, non? J'ai plus rien, les gars. J'ai actuellement plus rien. Il va. Ok, le véhicule a explosé. Ça a rien fait. Ça leur a rien fait. Ça a brûlé tout le monde. Tout pète, tout pète. Ok, ça les sonne. Ça les sonne. Oh là là, mais laissez-moi vivre, bordel de merde. Il y a trop de zombies là, il y a trop de zombies aux alentours. Il faut que... Je sais pas, il faut que je fasse quoi, mais il y a trop de zombies. Donc heureusement que ça n'a pas explosé mon couronne, hein. J'aurais pété les plombs. Ok, j'ai des ressources, mais je veux pouvoir réparer. Alors je vais regarder dans mon sac, est-ce que... Je peux toujours pas réparer, je peux toujours pas réparer. Ouais, je peux faire pas mal de trucs, hein. Je peux faire un couteau. Ouais, je vais faire un couteau, tiens. Ouais, je vais faire un couteau. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Il faut que je teste mon couteau. Il faut que je teste mon couteau sur un zombie seul, là-bas. Un zombie seul. Ok, le couteau va faire quelque chose, peut-être. Non. Ça lui fait strictement rien. D'accord, le couteau ne fait absolument rien à la personne. Bah, écoutez, je pense qu'on va retourner... On va décaler, hein. On va décaler. Où est-ce que je peux poser ma tente tranquillement sans que les gens viennent me casser la tête? Ok, les gars. Je vais essayer de camper ici. Je pense que ici on doit être un peu tranquille, les gars. On est loin de tout, là, dans la population. Logiquement, je peux poser ma tente ici. Si je peux pas poser ma tente, c'est qu'il y a vraiment un réel problème. Et que je peux pas dormir. Et ça, ne pas dormir tranquillement. Allez, s'il vous plaît. Faites en sorte que... Oui, je peux dormir. Magnifique. Ok, du coup, les gars, mon petit perso est parti dormir. Juju est parti dormir tranquillement. Parce que je rappelle que mon perso s'appelle Juju. Il est parti faire une bonne sieste. On est actuellement à... Je sais pas combien d'heures de vidéo que je tourne. Ça fait 52 minutes que je tourne la vidéo, les gars. Donc ça va être coupé, etc. Un mode de coupage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner, à activer la cloche. Et comme je vous ai dit, à 10 000 likes, on fait peut-être un épisode 2 ou un autre. Univers avec le petit Juju. On cesse là-dessus. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. C'était un Juju, petit enfant, VS des zombies. Et moi, ciao.